de ruisseau. Dans le bas de la place se dressent les bâtiments de la chaîne d'en bas. Au centre, entre les deux rues principales, courent de nombreux sentiers bordés de haies et de murets, qui servent également de clôture, de pâture, jardins et vergers qui occupent le centre du village. Seuls deux ponts et autant de passerelles enjambent la ligne, profonde de 1,20 m à 1,50 m et large d'un kilomètre. Ces berges sont bordées de saules et de vignes qui forment à certains endroits un véritable rideau de verdure. Tous les villages et parsemant le futur champ de bataille sont en partie cachés par des bosquets, des vergers et les rangées d'arbres qui bordent les rues. Déjà hautes dans cette nuit, contribuent également à masquer la configuration exacte du terrain dont les seuls points de repère sont les clochers. Les maisons, les fermes, les granges font entrer de nombreux angles, des allées et des cul-de-sac. Tout espace des cellules est coupé ou bordé de fossés, de murs et de haies. L'ensemble forme en 1815.